Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, en ce moment, je suis dehors en train de descendre mon fameux patio enneigé. Aujourd'hui, j'ai une expérience scientifique avec vous. Vous savez que moi, je suis un grand fan de McDo, là, puis j'adore aussi manger du McDo. Puis si maintenant, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé des bons McDoubles. Avec une frite et la sauce barbecue en masse. Aujourd'hui, vu que le service, vu que le RTC a fait un nouveau service, c'était de Flexibus, on peut se rendre, il peut nous chercher de chez nous, puis nous rendre directement au point qu'on veut aller. On va voir si c'est aussi efficace aller en voiture qu'en Flexibus. Puis surtout, on va savoir si ça reste vraiment chaud, ou si on aime la bouffe à votre frette, ça va être pas mangeable. Ici, j'ai un fameux sac qui est hermétique, qui marche pour comme friseur ou chauffant, ou qui a des affaires chaudes. On va voir si ça vaut vraiment la peine de faire ça. Si oui, je vais vous le recommander à la fin de la vidéo. Sinon, pour moi, ça a été une expérience qu'à ne pas faire dans la maison. Flexibus, j'ai eu beaucoup de questions comme ça, comment ça marchait. C'est très simple. C'est tu télécharges l'application, tu crées un compte. Et après ça, c'est comme, mettons, un GPS. C'est comme, mettons, Google Maps. Fait que l'adresse de chez vous et l'adresse où tu allais, mettons, à ton travail, à la pharmacie plus proche, un terminus plus proche. Vous marquez le nom du terminus et il va avoir, tu cliques pour ça, tu recherches. Il va demander une question. C'est quoi ton mode de paiement? Ça, par carte au plus. La carte au plus, ça marche avec la pause moi et tous les billets. Puis aussi une carte occasionnelle aussi, ça fonctionne. Et surtout l'application que RTC paiement. Dans ce temps-là, tu es là-dessus, la voiture aura réservé dans 10 minutes ou plusieurs minutes que tu vas attendre. Si c'est réservé, ça se download. Puis ensuite, tu vas voir le chauffeur, le numéro du véhicule. Puis en même temps, dans combien de temps qu'il va arriver. En même temps, si tu veux l'application, tu vois le véhicule qui se prend direct jusque chez vous. Puis tu peux savoir où est rendu. Dans ce temps-là, tu prends ton temps pour t'habiller, tu te prépares et tu quittes pour le fixer ou aller à ton endroit. C'est très simple, c'est pas plus compliqué que ça. Bien, on va se voir tantôt. On va se voir tantôt dans le fixer. Je vais faire une petite capsule. Et comme après ça, pour mon retour, je vais faire une conclusion pour voir si ça a bien été ou pas. Sur ce, bon usement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour manquer aucune de mes vidéos. Surtout, j'adore faire des expériences en même scientifique juste pour vous. Et surtout, abusez du nouveau service du RTC. Sur ce, à tantôt!
Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une petite update. J'ai mon sac ici qui est plein de c'est du McDo qu'il y a dedans. Il est supposé garder au chaud. On va voir s'il va rester au chaud jusqu'à la maison, puis je vous reviens rendu à la maison pour savoir si c'est vraiment resté au chaud. Et j'attends mon taxi pour le retour. On est chez McDo, rue de la Faune, dans le coin de à Saint-Émile, là. Dans le coin de Les Tourneaux, Pizza 67, je pense, où il y a un métro. Oh, ouais, si ça vaut vraiment. Si ça vaut vraiment. Ça vaut vraiment rester chaud. On se retrouve à la maison pour une petite. Pour le résultat final, là. Et il arrive, il est en lumière rouge. Et on voit un beau petit camion qui va te dépasser, je vais pouvoir le tuer. Bon, je retourne à la maison. Et je vais juste voir si ça doit rester super chaud. Après plusieurs minutes de transport avec des détours. Parce que ça. Hein, ça, c'est. Ça doit rester chaud. Ça s'est fait comme la petite buée. Sérieusement, c'est pour une expérience scientifique, ça a super bien réussi. Pour moi, il va la refaire souvent. Et voilà. Et voilà, le sac est plus rien. Dans le sac, c'est embué. Pour un petit mot de la fin, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Surtout, abonnez-vous et vous allez avoir plusieurs expériences scientifiques à propos de Flexibus dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.